Écoute-moi, j'espère que vous allez bien. Ben, écoutez, je vais très très bien. Je suis contente de vous revoir. Donc, pour un nouveau tirage ensemble. Bon, alors, je vais prendre ça. Voilà, celui-là. Rosie, Girly. Hein, voilà. Ah, une carte. Donc là, j'ai un signe. C'est le taureau. Bon. Ensuite, je vais prendre l'oracle du miroir. Voilà. Et on va voir un peu. Alors. Oh, ça bute. Alors, je vais faire ce qu'on appelle une coupe. Voilà. Je remets l'ange. Bon, apparemment, ça ne veut pas sauter. Alors, donc là, j'ai une demoiselle. Peu importe quel âge tu as, on me parle d'une demoiselle. Bon. Et non d'une madame. Mais selon, ben je sais pas. Moi je l'ai constaté que sur les courriers, je sais pas. Il y a souvent, c'est rare, ok, écrit mademoiselle. En général il y a marqué madame. Mais bon, madame. Bon, mais là on me parle vraiment des mademoiselles, celles qui sont célibataires et ils ne vivent avec personne. Voilà, personne. Tu es mademoiselle et tu ne vis pas avec un homme. Voilà, si tu es hétéro. Mais on me parle que si tu es un B, hein, en tant que femme, tu ne vis avec personne pour le moment. Hein, voilà. Parce que c'est comme si. C'est comme si on me disait que tu n'as toujours pas trouvé, mais en réalité, ça se trouve pas. Non, non, ça se trouve pas. Il y en a beaucoup qui disent j'espère trouver moi, ma demoiselle hétéro, moi, ma demoiselle gay. Un jour, j'espère trouver la personne avec qui je vais finir ma vie. Non, ça se trouve pas. Ou encore, j'espère que. Attendez, c'est où? Attendez, c'est où? J'espère que je vais trouver où je recherche. Voilà, je recherche où je vais trouver. Et que ça soit dans le mot. Je recherche, ça sert à rien. Chercher? Non, ça sert à rien. Chercher l'amour de ta vie ne va pas forcément te l'emmener, hein. Non. Et même si tu es en recherche très active pour les femmes célibataires, c'est pas pour autant que parce que tu le cherches que tu vas le trouver, hein. Non, non, l'amour ne se cherche pas et ne se trouve pas. Ça te tombe dessus ou pas. Et d'ailleurs, mes ancêtres vous disent, à vous, mes demoiselles, que il y a énormément de femmes majeures qui ont cru, qui ont cru, 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 cru avoir rencontré l'amour, hein, et en définitive, ah ben elle s'était trompée, hein. Et ça a pas très bien fini, hein. D'ailleurs, hein, pour énormément d'ailleurs de femmes aussi bien en France que dans d'autres pays, hein. Ah ben ça. Et toutes ces femmes en France et dans le monde entier,
Elles pensaient qu'elles avaient rencontré soit l'homme de leur vie, soit la femme de leur vie. Pour celles qui sont intéressées par les femmes. Et on me dit pour les hommes aussi. Oh là là. On me dit qu'en France et dans le monde entier, des hommes avaient cru rencontrer la femme de leur vie et c'était pas le cas. Et pour des hommes gays, idem. Ah bah ça. Mais vous l'avez cru. Et à l'heure où je vous parle, on est le 19 avril 24 à 11h42 précisément. Toutes ces femmes, c'est des histoires anciennes. L'homme que tu pensais que c'était l'homme de ta vie, hein, ou les nanas lesbiennes, la femme de ta vie. Et pour les hommes, c'est pareil. Ben, c'était pas le bon partenaire, hein, pour toi. Vous, les demoiselles, que vous soyez hétéro ou gay, c'était pas les bons partenaires pour vous, hein. Et pour les hommes, ben, c'est la même chose. Mais bon, vous l'avez cru dans votre passé. Ah ben ça. Et c'est pas parce que, hein, on rencontre un homme ou une femme, pour les hétéros, ou même pour les gays, que ça soit pour les femmes ou pour les hommes, et que, hein, que vous faites un morceau de chemin avec eux, que pour autant, c'est forcément l'homme ou la femme avec qui tu vas finir ta vie. Ah, ça veut rien dire. Et là, on me montre deux cas. Deux cas. Ceux qui ont vécu ensemble, que ça soit hors marital ou dans des pacs ou des mariages, et hein, à l'heure d'aujourd'hui, tout est fini. Hein. Et pour d'autres, vous, ben pour d'autres, ils n'ont jamais vécu avec. Hein. Donc comme quoi, ah, mais quand vous les avez rencontrés dans le passé, que ça soit un homme ou une femme, vous l'avez cru. Vous en étiez convaincu. Mais c'est fini. Voilà. Ah ben, quoique, on me dit d'autres choses aussi, hein. Ah ben, certaines, par exemple, à l'heure où je vous parle, vous êtes tous des adultes, hein, majeurs, voilà. Vous êtes tous majeurs. Et il y avait des femmes, quand elles étaient adolescentes, comme des autres d'ailleurs, qui ont eu un chéri, hein, et elles pensaient qu'elles allaient passer tout le restant de leur vie avec le même homme, hein. Les femmes aussi. Pour commencer pour les hétéros, mais pour les gays aussi. Ouais. Ah ben non. Ça. Mais maintenant, vous êtes tous majeurs. Alors, ça part de 18 ans à ouh! Et vous avez connu d'autres amoureux, d'autres amoureuses. Il y en a même qui ont vécu sous le même toit. Certains pas mariés, d'autres paxés, d'autres rien du tout, qui ont vécu, ouais. Mais tout est fini à l'heure où je vous parle. Et d'autres, c'est pas allé jusqu'à là. Mais tout est fini. Comme quoi? Comme quoi? Et d'ailleurs, pour ceux, par exemple, qui se sont fait quitter, que ça soit quand vous étiez ado ou après en étant majeur, ça n'a pas dû être facile. Non, parce que mes ancêtres disent que c'est moins douloureux quand c'est vous qui quittez que quand on se fait quitter. Hein. Ça, parce que c'est rare, hein, faut dire la vérité, hein, qu'au même moment, que ça soit sûr, que ça leur est arrivé à l'adolescence ou après à l'âge adulte, que ça soit ceux qui ont vécu ensemble ou pas, qui ont voulu se quitter au même moment. C'est rare. C'est arrivé, hein, c'est arrivé. Mais bon, la plupart du temps, il y a qu'un sur deux, hein, qui veut quitter l'autre, hein, ça. Et oh là là. Et il y a des hommes qui se sont fait quitter par la nana. Ah ben ils ont pas été bien, hein, ça.
Et ils ont mis un moment à l'accepter et à le digérer, hein. Comme des femmes qui se sont fait quitter par un homme. Hein. Bon, pour les gays, les nanas, c'est pareil, et pour les hommes, c'est pareil, tu vois. Bon, alors, il y a ceux vraiment, vraiment, qui sont passés à autre chose, vraiment, vraiment, voilà, et qui espèrent un jour rencontrer la bonne chaussure, hein, voilà, la bonne chaussure, hein, voilà, le bon gars ou la bonne nana, que vous soyez des gays ou des non-gays. Et puis, oh là là, et alors, il y en a, écoutez, il y en a, les ancêtres me le disent bien, que leur ex, que ça soit un homme ou une femme, hein, a quelqu'un d'autre dans leur vie, mais ils n'ont plus de vie. Ils n'ont plus de vie. Plus de vie affective. Non plus. Et je vois, alors il y a les deux, hein. Il y a les deux. Alors il y a les femmes qui attendent le retour de leurs ex et des hommes qui attendent le retour de leurs ex aussi, autant chez les gays que chez les hétéros. Et le problème est que à l'heure où je vous parle, vos ex, eh ben, ont quelqu'un d'autre dans leur vie, que ça soit l'homme ou la femme. Ah, ils sont pas libres. Ils sont pas libres. Et d'ailleurs, il y en a beaucoup, beaucoup qui vous ont quitté ou pour une autre femme ou pour un autre homme. Et il y a ceux, ah ben, il y a ceux qui le savent, voilà, ils le savent, et ceux qui ne le savent pas. J'ai les deux, mais ça attend. Ah ben ça attend. Et ce qu'ils attendent, c'est que, hein, c'est que leurs ex se séparent de la nouvelle personne avec qui ils sont. Et peu importe combien ça fait que vous êtes plus ensemble, et peu importe combien ça fait de temps qu'ils sont avec quelqu'un d'autre que vous, y en a, ils les attendent. Ah, je vous le dis, parce que c'est mes ancêtres qui me le disent. Eh ben, bon, comme me disent mes ancêtres, on peut comprendre que une femme ait marqué ta vie comme un homme qui a pu marquer ta vie, que ça soit chez les hétéros ou les gays. Tu as le droit de l'attendre toute ta vie, que ça soit un homme ou une femme, mais c'est dommage quand même. C'est dommage parce que ton ex-nana, par exemple, ou ton ex-gars, que vous soyez des hétéros ou des gays, eux, ils font leur vie. Leur vie. Ils ont une vie tout à fait normale avec soit leur gars ou leur nana qui n'est plus. Et vous, vous rêvez du jour où, en gros, tout va se casser la figure dans ces couples-là. Et en espérant que vos ex reviendront vers vous. Voilà, que ça soit en pétant la forme ou pas, pour les récupérer et pour vous remettre avec. Et le problème, c'est le séquent. Alors déjà, est-ce qu'un jour, le couple va partir en vrille? Parce que rien n'est sûr, hein. Ah ben rien n'est sûr, hein. Et il y en a qui leur jettent le mauvais œil. Mais pour que l'homme ou la femme avec qui j'étais avant, pour que tout se casse la figure dans le couple que tu n'es plus à l'heure actuelle avec ton ex. Enfin, je pense que vous m'avez compris. C'est-à-dire, avant, tu étais avec un homme ou une femme. Bon, c'est fini, hein, voilà. Et ton ex a une nouvelle vie avec quelqu'un d'autre qui n'est plus vous. Que ça soit avec un homme ou avec une femme. Et ben, eux, ils attendent que ça, la rupture. Et pas avec eux, puisque vous êtes plus avec l'autre personne.
Ouais. En espérant, Plus que tout. hein, plus que tout au monde, qu'ils reviennent, c'est-à-dire qu'ils vous retéléphonent ou qu'ils vous envoient un message, les revoir, vous remettre en couple, etc., etc. Ouais. Il y en a, ils s'attendent de ça. Et il y en a, ça fait un moment, hein, bon, il y a de tout. Il y en a, ça fait pas très longtemps. Il y en a, ça fait moyennement longtemps. Et d'autres, hop, pauvre. Bref. Et en plus, d'un homme à un autre qui s'est fait quitter, d'une femme à une autre qui s'est fait quitter, et peu importe vos orientations sexuelles, il y en a, ils jettent pas l'œil. Pas l'œil, hein, voilà. Ils leur jettent pas l'œil, ils font pas de rituel et tout, chiquent, mais d'autres si. Si, il y en a. Pour que, ils se disputent, qu'il y ait des clashs, des conflits dans la relation, et qu'ils se finissent par se séparer pour les récupérer par derrière. Eh ouais, il y en a, oui. Pas toutes. Donc, c'est pas toutes les femmes qui font ça. Et pas tous les hommes qui font ça. Mais il y a un pourcentage en France et hors France aussi qui le font. Parce que ils n'admettent pas que ça soit fini avec cet homme ou avec cette femme. Et d'autres qui ne le font pas. Non. Mais que ça soit sur notre territoire français, ou en dehors de la France, il y en a, ils le font. Ah, non, 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 normalement, il n'y a pas même pas de normalement. On ne fait pas de rituel pour que l'homme avec qui tu n'es plus, ou la femme avec qui tu n'es plus, hein, se dispute des rituels. Ouais. Ouais. Qui ne se supporte plus, ouais, qui n'ait plus envie de faire des choses comme un couple normal, qui n'ait plus envie de se parler, qui se prennent en grippe, mais je vous jure que si. Et c'est lamentable de faire ça. C'est interdit. Et même si tu aimes encore ton ex, que ça soit un homme ou une femme. Hein. Ah non, fais pas ce genre de choses. Hein. C'est interdit. Hein. Voilà. Et il demande des rituels. Il y en a pas tous. Que ça soit les femmes en France ou les hommes en France ou même dans d'autres pays, il y en a, ils ne demandent pas que ça soit à des marabouts, des cartomanciennes, des médiums sans ou avec support. Oui, bonjour, il n'y aurait pas quelque chose à faire pour que mon ex se sépare de sa nana ou de son gars. Ben si si on peut on peut les si si on peut faire des rituels pour qu'ils se disputent, pour qu'ils ne se supportent plus l'un et l'autre quand ils sont ensemble. Ah ouais, c'est pas mal ça. Ah c'est vrai, ça serait bien. Ah ben c'est combien? Mais est-ce que vous vous rendez compte ceux qui le demandent et ceux qui le proposent? C'est scandaleux. Bref, chacun fait ce qu'il veut, hein. Mais c'est scandaleux. Et ceux qui le proposent, eh ben, ils se remplissent bien les poches, dans leur tarification pour briser des couples. Hein. Parce que il y a des tas de femmes comme des hommes qui ne supportent pas que leurs ex soient plus avec eux ou avec elles au pluriel, hein. Parce que c'est autant en France que dans le monde entier. Eh bien, mes ancêtres disent que c'est très grave d'avoir recours à ce genre de rituel. Et même si vous n'arrivez pas à vivre sans vos ex, eh ben c'est pas une raison pour faire ça à des individus. Non. Et il faut accepter ce qui est. Et même si tu as la haine
la haine contre ton ex ou la haine contre la nana ou le gars qui, eh ben, qui fait sa vie avec, c'est pas une raison pour faire des rituels aux gens. Ben non. Non, il faut accepter ce qui est. Et il faut accepter les décisions de vos ex, que ce soit des hommes ou des femmes, et on ne fait pas des rituels. Jamais de la vie. Parce que n'oubliez pas quelque chose, c'est interdit autant à ceux qui proposent ce genre de service et ceux qui les demandent. Et eh ben, vous serez tous punis. C'est interdit. On est puni par qui? Par l'au-delà. C'est interdit. Et même si, par exemple, ton ex finit par se séparer par des rituels, il se séparera parce que hein, on lui a fait un fort rituel pour le pousser hein, à des clashs, des machins et à revenir dans ta vie. Mais ce qu'il faut bien que tu saches, même si ton ex revient vers toi, que ça soit devant chez toi ou qui t'appelle, ce que tu veux, et que vous remettez ensemble, votre relation ne durera pas. Non, ne durera pas. Parce que un jour, on se réveille. Ah, ça dure pas à vie les rituels. Faut bien le savoir. C'est très grave ce que les gens font. Mais bon, vous faites ce que vous voulez de votre vie là où ils disent. Parce que tous ces hommes ou toutes ces femmes qui demandent des rituels, que ça soit à des marabouts en France, à l'étranger, à des cartomanciennes en France, à l'étranger, à des, à ce que vous voulez, ça ne dure pas à vie. Déjà, ça ne dure pas à vie. Et c'est, eh ben, c'est contre nature en fait. Si, c'est contre nature. C'est faire des choses à des hommes ou des femmes qui, en réalité, s'ils n'étaient pas sous rituel, ils ne le feraient pas. Ce qui veut dire que ils ne sont pas dans leur état normal. Ah ben non, ils sont pas dans leur état normal. Et ils sont sous rituel. Donc, que ça soit les marabouts en France ou à l'étranger, ou encore les cartomanciennes en France ou à l'étranger, ou les médiums hein, sans support ou avec en France ou à l'étranger, qui proposaient ce genre, hein, ce genre, peu importe les rituels, vous poussez des hommes et des femmes à faire ce qu'ils n'ont pas envie de faire s'ils si étaient dans leur état normal. Et ceux qui le demandent, eh ben c'est pareil. Et vous savez que, par exemple, vos ex reviendront à vous, mais pas dans leur état normal, puisqu'ils sont sous l'emprise de rituels. Et vous êtes content. Contente tous ces hommes qui font ça. Ou contente toutes ces femmes qui font ça. Oh, super! Ah, oh, ben, il m'a appelé. Ouais, il m'a appelé. Ah, ben, il veut me revoir. Ouais, il veut me revoir. Ah, ben, il a envie de se remettre en couple avec moi. Mais sauf que, ils sont sous puissant rituel, et vous le savez. Mon Dieu. Et vous êtes contents, tous ces hommes, quand vous faites ça. Ou toutes ces femmes, ah ben là, oui, ça qui se passe. Ah. Ah ben ouais, vous le savez très bien. Donc, c'est interdit. Tout rituel est interdit. Ah, les rituels, c'est interdit là-haut. Ah ben. Et on n'oblige pas des humains à faire ce qu'ils n'ont pas envie de faire. Donc, et puis c'est pas la peine aussi de dire, ouais, non, mais il m'aime encore. Ouais, non, mais je suis sûr, il m'aime encore, ce monsieur.
Ou cette dame, ah ouais, vous êtes sûr qu'il vous aime encore? Ah ben c'est pas moi qui vous le dis, hein. Je passe les messages. Parce que si il vous aimait encore, eh ben il vous aurait pas quitté, hein. Ah ben ça faut bien le savoir, hein. Parce que quand on aime quelqu'un de tout son cœur, on ne le quitte pas. Non, ne le quitte pas. Et on ne va pas faire sa vie avec un autre homme ou une autre femme, hein. Et très souvent, mes ancêtres disent, non, mais écoutez bien, non, mais elle l'a séduit. Ah non, mais elle l'a séduit, il sait plus trop où il en est, où elle en est dans sa tête. Et ça prouve que on ne t'aimait plus, tout simplement, parce que si un homme ou une femme est arrivé à séduire quelqu'un, ah ben c'est qu'on t'aimait plus. Hein. Ah ben écoutez, moi c'est mes ancêtres qui le disent. Mais bon, là-haut ils disent que les femmes qui se font quitter ou les hommes qui se font quitter et qui demandent des rituels, voilà, pour les récupérer, ont toujours la bonne excuse, la bonne phrase, etc. concernant l'autre personne avec qui on fait sa vie. Ah toujours, hein. Toujours. Toujours, toujours. Mais un homme, quand il quitte une femme, ah ben c'est qu'il le veut. Hein. Et ça n'a rien à voir avec l'autre nana. Comme une femme, quand elle quitte un homme, même si hein, elle fait sa vie avec quelqu'un, ça n'a rien à voir avec l'autre. Ah, rien à voir. Que ça soit d'ailleurs un homme ou une femme qui quitte quelqu'un. Hein. Pour quelqu'un d'autre. Hein. Ah, ça n'a rien à voir. Hein. Et que bien avant, par exemple, hein, que ça finisse, il n'était plus amoureux de vous. Hein. Ah ben alors ça. Mais c'est pas moi qui vous le dis. Non, je transmets ce qu'on me dit. Hein. Ah ben c'est ça le problème. Hein. Mais bon, quand des femmes, je dis des parce que c'est mondial, on me dit quand une femme se fait quitter par un homme et qu'elle s'imaginait qu'elle allait finir toute sa vie avec, ah, avec le même, et que il la quitte par exemple pour quelqu'un d'autre. Elle va s'en prendre à l'autre femme en disant que si elle n'était pas arrivée dans sa vie, ils auraient fini leur vie ensemble, comme pour des hommes d'ailleurs. Eh ouais, faut bien s'en prendre à quelqu'un, hein, voilà, ça c'est. Mais une femme qui est très amoureuse de son gars ou un homme qui est très amoureux de sa nana ne te quitte pas pour quelqu'un d'autre. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Mais il faut bien trouver des excuses quelque part. Et s'en prendre à quelqu'un. Donc, ils vont s'en prendre à la nana ou au gars avec qui ils sont. Eh ouais. Et que le seul responsable des ruptures, c'est ceux qui vous quittent. Hein, et jamais les autres. Ah ben non. Parce qu'on ne peut pas forcer un homme à quitter une femme. Ou une femme a quitté un homme, hein. C'est qu'il le voulait bien. Hein. Ah ben ça. Et après, il y a ceux qui font des rituels pour que les ex reviennent à eux. Sauf que quand ça marche, parce que c'est pas toujours le cas, mes ancêtres le disent, mais quand ça marche, parce qu'il y en a, ils sont très forts dans les rituels, ils vont quitter eh ben, la femme ou le gars pour revenir avec vous. Sauf que ils en ont pas envie, ils sont sous puissant rituel. Et c'est interdit. Et que tôt ou tard, le rituel s'arrête. Et quand ils se réveillent, ils vont se dire, mais qu'est-ce que je fous là avec toi? Je comprends pas. Mais après, dans leur tête, c'est, mais qu'est-ce que je fous avec la nana que j'avais quittée ou le gars que j'avais quitté? Et après, ils réfléchissent. Ils réfléchissent, ils réfléchissent, encore ils réfléchissent, ils réfléchissent. Et ils se disent, mais c'est pas normal, parce que je ne l'aime plus, cette femme. Ou ce mec. Oui. Et après, ils commencent à se poser des questions, pour savoir si elle m'a pas fait un rituel. Et que ça soit des hommes ou des femmes. Et très souvent, ouais.
Très, très souvent. Eh ouais. Et il y en a, ils remettent des couches. Ou qui ressemblent à des zombies. Eh ouais. C'est grave. Hein. Et c'est interdit. Hein. Ah ben là-haut dans le ciel, c'est interdit. Hein. Et on n'a pas le droit de faire ça. Ni à des hommes, ni à des femmes. Et même si vous les aimez plus que tout, même si vous voyez pas vivre sans eux, on n'a pas le... C'est interdit. Et que tous ceux qui proposent ça sont... Hein? Ah ben... Ils sont punis. Hein. Si, ils sont punis hein, par l'au-delà. Et tous ceux qui font ça, ben ils s'en foutent en fait. Royal. Royal, ils s'en foutent parce que ça rapporte énormément. Ah ben, rapporte, hein? Bling, bling dans les caisses. Mais... Ben, tout ce qui peut leur arriver, ben, que ça soit à ces marabouts, à ces médiums, avec ou sans support, ou cartomanciennes, ben, toutes les merdes qui leur arrivent dans leur vie, peu importe lesquelles, c'est à cause de ça. Et à toute femme ou homme qui demande, toutes les merdes qui va vous arriver dans votre vie, c'est à cause de ça. Ah, si, tout est lié. Attention, là-haut, ils acquiescent pas. Voilà. Et on laisse faire les gens ce qu'ils veulent faire réellement. Et même si pour toi, c'est une réelle souffrance de savoir que ton ex est avec quelqu'un d'autre. On ne fait pas ce genre de choses. Donc, moi, je passe les messages. Après, vous en faites ce que vous voulez. Voilà. Voilà. Et il y en a, ils ont que la poisse. Que des problèmes. Et tout est lié. Autant ceux qui proposent les services que ceux qui leur demandent. Il leur arrive que des merdes dans leur vie. Eh ben, c'est à cause de ce que vous demandez. Et ceux qui proposent aussi. Tôt ou tard. Bref. Donc ça, faut bien le savoir. Ça a des graves conséquences. Tout ce qui est les rituels. Alors là. Et surtout, surtout. Quand ça a des conséquences sur les autres, hein. Ça, bon, encore, je sais pas, quand par exemple, tu fais du mal à personne, même du mal à personne, bah, ils aiment pas trop non plus, hein, parce qu'il faut accepter, hein, sa vie au moment présent, hein, voilà, telle qu'elle est, mais ils sont moins durs l'au-delà. Que quand c'est des rituels pour faire du mal aux autres, même si vous pensez que c'est bien. Hein, voilà. Faut bien le savoir, ils me le disent clairement. Donc, si vous voulez vivre tranquille, en paix, sans avoir après des problèmes, que ce soit ceux qui proposent les services ou ceux qui le demandent, ne le faites pas. Il y a toujours un prix à payer. Et le prix est très élevé quand même. Hein. Voilà. Voilà. Ça, faut bien le savoir. Hein. Ça, c'est... Et d'ailleurs, il y en a de plus en plus qui offrent ce genre de service en France et dans le monde entier. Et de plus en plus qui le demandent. Donc, ils vous punissent tous. Hein. Ah ben ça faut bien savoir. Je transmets, hein, moi. Je n'ai pas, ce n'est pas de ma faute. Faut bien le savoir. C'est-à-dire que si ton ex, ben, il est plus là, il est plus là. Faut pas faire de retour de ce que machin, bidule, pour que tu le récupères. Tu vas être puni. Et ceux qui le proposent aussi. Ben, voilà, ce genre de truc. C'est-à-dire, faut pas que ça touche des humains. Ouais. Si ça touche d'autres humains, les rituels que vous demandez, vous serez puni. Autant ceux qui le proposent. Ah, bien. Alors après, ils n'aiment pas non plus quand c'est que vous faites pas de mal. Mais c'est moins dur quand même. Hein. Ah bon, écoutez, il y en a, ils s'en foutent. Hein. Il y en a, pour récupérer des ex, ils sont prêts à pratiquement n'importe quoi. Mais bon, ça a de graves conséquences. Ah, pour tout le monde. Et que tout ce qui va aller merde qui va arriver dans votre vie, c'est dû à ce que vous demandez. Voilà.
Bon, voilà, je fais passer. Alors, évidemment, vous vous doutez bien, comme là où ils me disent, mes ancêtres également. Hop, si vous saviez, toutes les femmes, toutes les, et tous les hommes, en France et dans le monde entier, qui ont payé des marabouts, des cartos, des médiums sans support ou avec, pour récupérer les ex. Ah là là. Et pour beaucoup, ça a marché. Mais alors attention au retour de boomerang, ça faut bien le savoir. On parle aussi de ceux et de celles qui l'ont fait pour avoir énormément d'argent dans leur vie. Hop, en France et mondiale. Ouais, ils aiment pas trop. Alors il y a ceux qui l'ont demandé, mais sans faire de mal à d'autres femmes et hommes, et d'autres si. Alors là, attention à vous, hein, voilà, ils vous le disent. Ah, ça a toujours un prix, hein. Voilà. Hein? Bon, après, il y en a aussi, hein, qui ont demandé, de faire souffrir des membres de leur famille. Ah, voilà. Ah là là. Alors là, attention, hein. Ah, il va avoir le retour de boomerang, sur vous, hein. Voilà. On me dit aussi qu'il y en a qui ont voulu se venger de leurs ex. Ouais, donc vous allez, voilà, vous leur avez fait du mal, des rituels, des machins, des bijoux. Aïe, 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 attention à vous là. Je le dis, c'est tout moi. Vous savez, j'ai rien à gagner. Hein, je passe les messages de mes ancêtres. Voilà. Ah ben, il y a de tout en France et dans le monde entier. Il y en a aussi qui ont voulu séparer des amoureux et des amoureuses. Il y a eu des rituels. Hein, des rituels. Aïe, aïe, aïe. Attention au retour karmique. Voilà. À protéger vous bien, bien. Mais bon, là-haut, même si vous vous protégez, ça va pas changer. C'est qui vous attaque. Ah, mais ils vous punissent. Hein. Et alors, ils essayent toujours de vous punir de la même manière que vous avez fait du mal aux autres, hein, ça, œil pour œil, dent pour dent, là-haut, hein, là-haut, ouais, là-haut, dans le ciel, très haut, hein, voilà, ça, voilà, on me dit ça. Alors ensuite, j'ai d'autres cas qui n'ont absolument rien à voir avec tout ce que je viens de dire. On me parle d'hommes qui sont célibataires, hétéros, qui pensent avoir rencontré la bonne nana qui leur correspond. Voilà, mais que ça soit d'ailleurs en France ou dans des pays étrangers, ils peuvent se poser des questions ou ils vont se poser des questions si la femme est bien ce qu'elle prétend, voilà, mais la femme également, en même temps, bon, on a tous des bonnes et des mauvaises pensées, clairement, mais non, vraiment, la femme que tu connais à l'heure actuelle, c'est une femme exceptionnelle. Exceptionnelle, comme le gars d'ailleurs. Ouais, vous êtes fait pour être ensemble. Voilà. Voilà. Alors, j'ai des hommes de tout âge, de 18 ans à très matures, les femmes aussi. Vous allez bien, ouais, vous êtes vraiment fait pour être ensemble. Hein, voilà. Alors, au niveau des hommes et des femmes, j'ai un peu de tout. Il y en a, ils sont actifs et des deux côtés, vous bossez. D'autres, dans d'autres cas, il n'y a que le mec ou la nana qui bosse pour différentes raisons. Il y en a, c'est parce qu'ils sont retraités et l'autre bosse encore. Dans d'autres régions en France et mondialement, c'est parce qu'il y en a, ils sont au chômage. Dans d'autres cas, ça peut être des RSA, voilà, qui ne trouvent pas apparemment du travail. Des adultes handicapés aussi, voilà. Et aussi des retraités. Mais vraiment,
Vous êtes fait pour être ensemble. À l'heure d'aujourd'hui, bon, vous êtes en lien, en communication. Alors, j'ai deux cas. J'ai ceux et celles qui se sont, bah, les deux, j'en ai plein, qui se sont rencontrés sur Internet, mais pas encore de visu. D'autres se sont également rencontrés sur Internet, mais vous êtes en couple, mais toujours pas de progression, d'aménagement l'un avec l'autre, mais ça va venir dans les deux cas. Voilà, ce qu'on me dit. Alors, bien évidemment, il y en a, ils se sont jamais vus, donc il n'y a pas eu de rapport intime, machin, bidule. Mais il y en aura dans le futur, tandis que ceux qui sont déjà ensemble, mais qui ne vivent pas ensemble, il y en a beaucoup qui ont couché ensemble, sauf un pourcentage où c'est des nanas qui ne coucheront pas avant un mariage ou ce genre de choses. Donc il y a un pourcentage aussi en France et mondialement. Donc il va y avoir des épousailles. Hein, voilà. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Là là, il y en aurait tellement. Donc après, au niveau des hommes que vous connaissez, j'en vois quand même beaucoup, un peu effet yo-yo. Voilà, il risque d'avoir des hauts, des bas, malgré tout. Est-ce que vous, au niveau des nanas, vous allez au minimum vouloir vivre ensemble? D'autres, il n'est pas question de les toucher avant un mariage. Bon, mais bon, ils vont tous sauter le pas avec vous. J'ai beaucoup d'attachement. Ouais, d'attachement, des sentiments sincères, hein, voilà. Ouais. Bon, après, il y a les villes, les régions. Ouais. Alors, d'un côté, il y a ceux et celles qui vivent dans les mêmes villes, voire les mêmes départements, et puis d'autres, c'est en France, mais il y a une sacrée distance à parcourir pour vous voir de visu, que ce soit ceux qui se sont jamais vus encore, que ceux qui sont ensemble. Voilà. Mais bon, vous allez y arriver, hein, vous inquiétez pas. C'est des relations pour la vie. Hein, je suis très contente pour vous, d'ailleurs. Bon, voilà. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Bye bye.